Vous êtes donc dans une des chambres où vous avez commencé à sortir hein, pour essayer de vous échapper, enfin vous éclipser de l'endroit. Vous savez que vous devez plus ou moins passer par les cuisines pour vous échapper. C'était les informations que la goule de Lucie lui avait données. Et à ce moment-là, en fait, vous commencez à constater qu'en bas, dans l'atrium, il y a déjà des combats qui sont en train de retentir. Vous voyez à peu près une dizaine de personnes se battre, des hommes de Marcus avec d'autres personnes que vous ne reconnaissez pas. Marcus, pour l'instant, n'est visible par personne et vous avez entendu des combats venir d'un des couloirs. Et c'est Altaïr, la goule d'Esclarmonde, qui est en train de pourfendre quelqu'un avec son épée. Et clairement, en train d'hurler de son côté à Esclarmonde. Venez vite, il faut partir! Et bien évidemment, il y a du sang partout. Parce que sinon, c'est pas drôle. Il y a bien, c'est pour ça. Pas faire ça. Hein. Ballet. Oui, oui. On va ça partir. Semble une bonne chose. Partir, c'est bien. Bonne idée de partir. Qu'est-ce que... Alors, vous allez partir, moi je vais vous demander plus ou moins dans comment vous allez vous organiser, parce que c'est très important de savoir comment vous allez le faire. Si des personnes se mettent sous dissimulation, si des personnes ne se mettent pas sous dissimulation, si des personnes sortent des armes, si des personnes ne sortent pas des armes, si des gens sautent par les fenêtres, enfin voilà, tout est possible. Mais c'est important de savoir ce que vous allez faire et comment. Sauter par la fenêtre, c'est une préoccupation. Je provoque à la sombre à son Shifumi et si je gagne, il s'en va. Ce serait bien, putain. Ce serait trop je bien. Je vous défie. Franchement. Prends ton gant. Tu les gifles avec ton gant. On va commencer par Lucie. Moi, très clairement, je... Pardon. Non, je t'en prie. Bah, du coup, bah, par Artemisia. Vas-y, commence. Que va faire Artemisia ? Je veux dire que moi, du coup, très clairement, en fait, alors, je ne sors pas mon épée parce que, bon... je pense que... J'en ai une. J'ai un glaive, attention, madame. D'apparat. Voilà. Ouais. Donc, je préfère ne pas avoir l'air du tout menaçante, au cas où. Et je me rapproche sensiblement du guerrier le plus proche de moi. Donc, je ne sais pas... En vrai, c'est sur ma team Mihail, hein. Je me rapproche de Mihail très sensiblement. Vraiment, en me disant bon, et j'attends clairement une action de mes camarades combattants que je vais coller au basket, littéralement. Bon plan. Très bien. Donc Artemisia, tu vas coller tes camarades combattants, en particulier Mihail pour le coup, qui semble être le plus doué au combat, du moins à première vue pour l'instant. Très bien. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Alors, vu que Mihail est pris, moi je vais coller Esclarmonde. D'accord, très bien. Fondamentalement, je suis pas du tout dans mon élément. Mais, et du coup, vraiment, je compte sur mes camarades qui savent gérer les situations de combat et de stress. Et je vais suivre les ordres. Hein. Ce qui est une très bonne idée pour le coup. Je suppose que j'ai Samuel avec moi quand même au cas où. Oui, tu vois qu'il sort lui aussi bah, d'une des pièces hein, et clairement bah, il a l'épée à la main, hein, clairement en train d'essayer de voir un peu ce qui se passe, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Nous sommes attaqués. Sans déconner. Très simplement, en fait. Évidence sur 20. Je vais trop le... Enfin, je le vois trop te regarder avec son flag mode. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Très, très bien noté. Mihail, qu'est-ce que tu fais? Les deux ghouls de Mia, ils sont pas dans son champ de vision, là, actuellement? Pas actuellement, effectivement, elles étaient reparties, tu te souviens, donc une des ghouls était allée se reposer, l'autre était en train de préparer les hommes à refaire une sortie. C'est ce qui avait été convenu, étant donné que certains ont soif de sang, et pour essayer de mieux ratisser le terrain de manière générale. Alors du coup, celui qui est parti se reposer, il est donc dans l'aile où on se trouve, vu que c'est les chambres. Il est pas très très loin, effectivement. Bah, vous allez voir Mihail un petit peu scruter, en train de réfléchir à la disposition des choses. Il va porter une main derrière lui et dégainer sa flamberge. Et il va se diriger vers sa chambre, où il avait laissé... c'est Vassili qui l'avait laissé. Tout à fait, tout à fait. Tandis que Lucas était déjà en train de se préparer et effectivement t'entends du franc un peu par-ci par-là en train de gueuler. Clairement ils sont en train de se battre aussi, hein, on va pas se mentir.
S'ils sont à l'extérieur, c'est ça que, ou c'est de l'intérieur qu'on entend. En fait, bah, la villa, elle est quand même immense. Hein. On est sur une villa de Giovanni, il ne faut pas déconner quand même, hein. C'est cossu. Donc toi, tu as facile, genre une trentaine de pièces quand même, disséminées un peu par-ci, par-là. Et là, à l'heure actuelle, bah, tu entends dans une des ailes, effectivement, que c'est en train de se battre. Enfin, plus ou moins partout, mais ça parle en franc dans une des ailes. Pas forcément l'aile où vous êtes, mais pas très très loin. De toute façon, je savais dans quelle direction Lucas était parti se diriger. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, lui, il va pas abandonner une de ses goules. Donc, il va se diriger d'abord vers la chambre pour rameuter Vassili. Et voilà. Ok, très bien. Tu sors ton épée, je suppose ? Je te l'ai dit, ouais. Il sort sa flamberge. Ok. Esclarmonde, qu'est-ce que tu fais ? Bah moi je sors aussi mon épée et comme Lucie nous a dit que il y avait une sortie au niveau des cuisines et bah je pense qu'elle va je vais partir en avant avec Altaïr pour déblayer un peu le passage pour il pouvoir mener tout le petit groupe. Si il est en train de se battre. Mais je vais le rejoindre pour l'aider et faire une percée en fait pour que qu'on puisse descendre ensemble et partir pour abandonner un petit peu ce lieu avec nos bagages et aller véritablement là où on avait prévu pour terminer notre mission. Très bien. Lucie, tu es dernière à proposer. Et bien sûr, je dégaine mon épée. Bien sûr. Moi, j'aimerais juste des précisions. Donc, nous, on est à l'étage. Tout à fait. Le seul moyen de sortir, c'est donc de passer par les combats ou par la fenêtre, c'est ça ? C'est ça, il va falloir se frayer un chemin dans tous ces combats-là, oui, effectivement. Dans la vitre. D'accord. Là, actuellement... Sachant qu'il y avait du monde aussi à l'extérieur. Il y a du monde, du monde partout, là, vraiment. Vous pouvez pas esquiver les combats. Qu'est-ce qu'on voit justement sur le chemin ? Enfin, pardon ? On voit à peu près combien d'ennemis, on va dire, pour l'instant, sur notre chemin ? Au moins 6. Okay. Dans les escaliers, tous en train de se battre. A priori, des ghouls, des vampires, on sait pas. Ça, vous pouvez pas savoir. Okay. Il n'y a pas d'utilisation de discipline ostentatoire, ni quoi que ce soit, donc c'est juste en train de se battre. Et on est au premier étage ? Vous êtes au premier étage. Premier étage, ça se gère. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah clairement, Lumia, il y va pas sauter, lui. Hein. Lui, il va chercher ses ghouls. Oui, pas là tout de suite, mais est-ce que c'est un chemin plus safe ? Dans le doute, je vais juste retourner dans la chambre où on était, donc dans la chambre d'Artemisia, et regarder ce qu'il y a en dessous, par la fenêtre. Tu peux y aller rapidement. Donc, vous êtes en train... Mm-hmm. Salut, Gaerline. L'autre point. Tandis que vous êtes en train de vous déplacer, Lucie, toi, tu vas aller voir vite fait le à la fumier. Fenêtre. Quelques secondes. Ouais, je demande à Cécile de me suivre au cas où, et il y a Emeric qui nous couvre évidemment. Tout à fait. En fait, tu vois qu'à l'extérieur, tu vois des torches un peu par-ci par-là, tu vois des combats vraiment qui sont déjà dans la villa, mais même au loin, en fait, dans la ville, tu vois qu'il y a même carrément des maisons qui sont en train de s'embraser, etc. Vous entendez des hurlements au loin. C'est un véritable chaos dans lequel vous êtes en train d'être. Mmh. Comme si l'élément déclencheur d'avoir lancé ce premier tir de trébuchet, etc., a déclenché le chaos ambiant. Mais est-ce que, du coup, juste en dessous de la fenêtre, il y a du monde ? Ah oui, il y a des gens. Il y a des gens, effectivement. Il y a des gens en train de se battre, tout à fait. Ok, donc on va se frayer un chemin. Il vaut mieux passer par les cuisines et le passage que ta goule a vu. Parce que si c'est un peu caché, en plus, c'est plus facile pour s'extraire, je pense. Tente. Ouais. Okay. Dans tous les cas, de toute façon, il y a l'air d'avoir du combat partout, donc. Est-ce que tu te mets sous dissimulation ? Du coup, oui, je vais dire à Emeric, tu couvres Cécile, moi je vous suis de près, vous me verrez pas, simplement. Okay. Et du coup, je dégaine quand même ma dague. Et puis je me dissimule et je reste derrière eux. Très bien. Esclavon de Mihail, vous êtes les premiers à lancer la marche, donc vous commencez à vous diriger. Donc, Mihail en particulier, dans l'aile où vous êtes. Tu vas pas prendre les escaliers tout de suite.
Non, lui, il va chercher Vassili d'abord. Tout à fait. Du coup, vous allez plus ou moins vous séparer d'une certaine manière avec une partie de l'équipe qui va descendre pour rejoindre les cuisines, tandis que toi, tu vas vraiment aller vers l'aile où se trouve Vassili. Bon, j'imagine qu'on n'était pas non plus super loin. Vous n'êtes pas très très loin, mais il va y avoir du combat sur le chemin. C'est-à-dire qu'il va falloir prioriser vos actions. Oui, alors c'est quoi qui va s'opposer? Enfin bon, attendons de voir quand on y sera. Du coup, vous commencez à progresser, c'est-à-dire que vous voyez donc... Esclarmonde, tu commences à rejoindre Altair, donc qui est en train de se battre contre deux personnes. Comme je le disais la dernière fois, il arrive à en pourfendre un, vraiment, tu vois qu'il le transperce. Ils n'ont pas des armures particulières, ils sont en armure de cuir assez simple pour le coup, pour être léger et mobile. Et clairement, au vu des cris qu'il pousse quand il se fait planter un coup d'épée, ce sont des humains, à première vue. Par contre, dans le couloir, donc, vous voyez... quand vous commencez à approcher, qu'il y a à peu près 6 personnes, dont 3 hommes de... enfin, 6 ennemis et 3 hommes de Marcus qui sont en train de se faire éclater la gueule. Et parmi les 6 personnes, il y en a 2 clairement qui ont un comportement extrêmement étrange, parce que déjà, ils sont très rapides, et ils ne sont pas en train de se battre avec eh bien, des épées ou des couteaux ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'il y en a un qui attrape la tête d'une personne et lui arrache tout simplement pour la jeter contre un mur. Au vu de la situation, ça doit clairement être plus ou moins un vampire. Ou une goule survitaminée, parce que c'est tout à fait possible. Ça répond un peu à la question, ouais. Oui, là, oui. Le deuxième, quant à lui, eh bien, semble utiliser les ombres pour essayer d'attraper les gens. Pour le coup, il est tiré au sol. Mignon. Oh. Du coup... est-ce que vous voulez vous frayer un chemin en deux équipes? Une qui va commencer à descendre vers les cuisines et passer par les escaliers, et l'autre tout seul, du coup, à aller chercher une goule qui se trouve vraiment dans l'aile à côté. Tu vois, pour le coup, la porte, en fait, qui est juste à côté, et tu entends aussi des combats, des heurts, etc. Tu entends des commodes qui se brisent et autres. On est en train de péter des meubles, en fait, donc il y a du combat qui est en train de se faire. Oh, les commodes. Du coup, dans les chambres où il y avait Vassili ? Ouais. Ouais, bah, Mia, il va pas... Par contre, on se sépare pas, je pense que c'est pas la bonne idée, là, faut qu'on y aille ensemble. Donc on va suivre Mia, je pense, de près. Très bien. Les autres sont tous et toutes d'accord ? Ouais. Ok. Oui, tant que Esclarmonde garde Altair avec... Oui, bah Altair va vous suivre. Et du coup, moi, en entendant qu'il y a encore plus de grabuge au niveau de la chambre où il y a, il y a Vassili et qu'il est possiblement en danger, bah, vous allez voir qu'en même temps qu'il tient son épée, il y a sur son autre main des griffes qui vont pousser sur les ongles de Mihail. Coup... et ça se voit sur son visage qu'il est très, très en colère. Donc Thomas, bah, j'active les Feral Weapon. Très bien, donc tu utilises en fait les griffes de protéisme 2 qui te permettront de faire des dégâts aggravés. Donc sur un humain, on va pas se mentir, ça va faire extrêmement mal. Edouard aux mains d'argent, tout à fait Squall. Mais là ça va vraiment être très dangereux. Du coup tu commences à foncer vers là où se trouve Vassili. Tu vois que les portes en fait commencent à s'éventrer en fait au moment où tu commences à approcher. Tu vois sortir de ta droite deux personnes, clairement tu sais qu'ils sont plus ou moins camouflés, tu vois qu'ils ont des espèces d'écharpes autour du cou, avec un casque en cuir, tu sais, qui est vraiment vissé sur la tête. Ils ont des espèces d'épées courtes tout simplement, et dans le bout de la pièce tu vois qu'en fait y a des grappins qui ont été lancés pour pouvoir monter, et tout a été saccagé, et les personnes qui étaient à l'intérieur, qui étaient d'autres invités comme vous, plus ou moins humains, parce que Marcus invite aussi des humains en même temps, des invités de marque, etc. Il y a du sang partout. Il y a les gens au sol qui sont complètement trucidés. Du coup, Mihail, t'es face à deux personnes. Esclarmonde, tu es juste derrière avec Altair, donc là, vous êtes en position de combat. Bah, tuer. Et bah, c'est une initiative. Tout simplement. Agro. Alors, pour l'initiative... Parce que je repère pas dans les cadavres, Mihail. Vassili, moi. Non. Oui, tu essayes de dire quelque chose, Arte. Oui, en fait, j'ai mon micro qui a
qui je pense a eu des petits soucis, donc j'ai dû changer de micro en vitesse. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux, on t'entend. Ouais. Parfait. J'ai une question, vu que je suis dissimulée, est-ce que je dois quand même faire l'initiative pour me glisser derrière et... Oui, toujours. C'est normal. Ok. Au cas où. Alors, pour l'initiative, petit rappel de règles, c'est toujours important de le faire. Vous prenez votre score de dextérité et votre score d'astuce. Vous prenez les deux caractéristiques, vous allez les additionner. Prenez ce score total et vous lancez un des 10 plus ce score total. Les astuces, ok. Fait longtemps. C'est ça, Dex plus Switch plus avec un D10, effectivement. Merci Red. On a beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup oublié rabâché. De rajout. Ok. Alors pour l'instant, on a Lucie et Mihail au même niveau. Artemisia en dernière. Esclarmonde juste derrière Mihail et Lucie. Et Eitan en bonne position. Les ennemis, eux. Et bah, c'est pas dingue. Du coup, Mihail, Lucie, vous êtes les premiers à agir. Qu'est-ce que vous faites et qui agit en premier ou en première? Je pense que Mihail est quand même devant moi. Enfin, il sera rentré en premier dans la salle, donc je laisse Mihail commencer. Bah, le plus proche. Tu as la flamberge, je sais que tu as une épée à deux mains. Alors, même s'il a les griffes, il va quand même prendre à deux mains, hein. Lui, ça t'inquiète pas. Et il va taper le premier, le plus proche. Ok, c'est un jet d'attaque. En fonction du nombre de réussite que tu peux faire, tu pourras aussi placer des coups sur le deuxième, et étant donné l'allonge de l'arme, parce qu'on est quand même sur une épée à deux mains plus, c'est fait non pas pour tuer des gens techniquement, pour tuer, non, c'est pour écrabouiller. Ça doit pas être très pratique à l'intérieur d'une pièce. Absolument non, pas. Absolument pas. Bah après, là, vu que tous les meubles sont par terre et qu'on est rentré... Bah, tu vas placer un coup, il y a des chances que si tu te rates, ça va se planter dans le mur, oui. Bon, c'est pour ça qu'il y a des griffes. Ouais, clairement. C'est pour ça. C'est un jet de force mêlée ou de dex mêlée en fonction de ce que tu as de plus fort. Et de la manière dont tu vas utiliser ton arme, en étant donné que c'est quand même une arme extrêmement puissante, il y a de chances que tu utilises ta force. Pourquoi? Pour les dégâts? Non, pour taper. J'ai pas trop compris la dé. Ici, les dégâts, c'est pas un jet de dé. Ah oui, c'est ça. Bien, il est fâché. Tu viens de faire 7 réussites. Plus 4 points de dégâts. Donc on est sur 11 points de dégâts. Et tu vas juste me décrire ta scène sur le premier. Et tu placeras au minimum 2 points de dégâts sur le deuxième. Ben... En fait, ils étaient positionnés comment? Ils étaient l'un à côté de l'autre ou l'un derrière l'autre? Plus ou moins, tu sais, adjacents, c'est-à-dire qu'ils sont en position. Tu vois qu'il y en a un qui était en train d'achever quelqu'un au sol, l'autre qui a mis un gros chassé dans la porte, et en fait, vous êtes un peu tombés nez à nez. Donc l'autre est un peu derrière lui? Oui. Bah, du coup, Mia, il va le planter. Et va faire en sorte que l'épée va essayer de toucher vers celui vers le sol, en fait. Donc d'où le... si ça touche l'autre. Mais il va planter le premier. Bah, plus que le planter, tu vas l'embrocher, en fait. Oui, c'est ça, l'embrocher complètement. Hein. C'est le but, c'est que ça passe bien à travers. Là, vraiment, en fait, il a même pas le temps de sourciller, qu'il est juste empalé par une épée à deux mains. Et donc, il n'a même pas le temps de hurler, tellement la douleur est monstrueuse. Et effectivement, ce n'est pas un épée, c'est une brochette de barbecue que tu lui mets dans le torse et que tu transperces. Et tu vois qu'en fait, dans l'élan, dans le fait d'avoir commencé à courir pour essayer de le planter, bah, t'as touché l'autre tout simplement. Tu vois qu'il s'est pris un coup à l'intérieur de son aine, et qui lui par contre pousse un gros hurlement, bien évidemment, parce que ça fait mal. C'est au tour de Lucie. Donc le deuxième, t'as dit, il est à terre? Ouais, tu vois qu'il est en train de se relever. Bah là, du coup, il est en train de se relever, il vient de se prendre un coup d'épée dans la côte, en fait, et
clairement ça fait pas du bien. L'avantage c'est qu'il a quand même une armure en cuir, donc ça a encaissé un petit peu. Mais voilà. Ok. Je vais déjà faire un jet d'exaltation pour activer prouesse. Ouais. Voilà. Et je vais... Bah, pendant que Mihail était en train d'attaquer, moi j'ai profité d'être dissimulée pour passer par derrière, vers celui qui est à terre. Je l'attrape en fait par les cheveux et avec la dague, je le plante dans la nuque. Ouais. Je vais faire... Donc je fais dex mêlée et j'ajoute... Attends, je vais déjà faire dex mêlée. On verra après pour... Et du... Oh, la vache, bah oui, bah tu me décris ta scène aussi. Hein. C'est l'élu. C'est l'élu. Tu es sous occultation, okay. Le gars a même pas le temps de comprendre ce qui va lui arriver. Il vient de se prendre déjà un coup de flamberge dans, dans l'aine. Et au-delà de ça, bah du coup, tu vas lui sauter dessus. Ah okay, alors, je tiens à préciser, on n'est pas dans Donjons et Dragons, mais c'est vraiment une attaque sournoise de voleur, hein, ce que tu viens de faire. C'est l'idée. Oui, du coup, bah, j'ai même pas besoin d'ajouter ma puissance, mais en gros, ouais, comme j'ai dit, je l'attrape vraiment par les cheveux pour le maintenir et dégager en fait l'espace de la nuque, et je plante la dague mais vraiment le plus profond possible et je tourne dedans jusqu'à entendre le crack des os. Et bah, puis j'arrache après la dague. Mais tu sais, t'entends le crac, crac. Et tu vois qu'il est tout simplement en train de crever et il finit au sol. Et du coup, je réapparais. Vous êtes à combien? Alors, dans toute l'équipe, je vais vous demander votre score de fin, s'il vous plaît. On s'était nourri la dernière fois. Oui. Donc, ouais. Moi, j'ai 1. 1. Ah. Okay. 1 aussi. Et Esclarmonde? Moi aussi. Ok, ouais. Très bien. Pour l'instant, ça va. Les effusions de sang ne vous donnent pas la dalle et ne vous empêchent pas de faire des actions. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Faut pas se mentir, j'ai fait un 5, Warstein. D'accord. Du coup, bah en fait, vous venez d'éclater deux personnes. Derrière vous, les combats retentissent de plus en plus. Et c'est Altaïr et notre cher... alors, je me souviens plus de son prénom, mais c'est... Comment il s'appelle? Ah! Emeric, effectivement. Qui vont, bah, eux, se mettre un peu derrière vous pour essayer de vous couvrir. Donc, ça commence à arriver de votre côté. Donc, vous entendez des bruits d'épées en fait, qui s'entrechoquent, etc. Donc, vous voyez aussi des combats. Et ça commence à remonter, en fait. Donc, ce sont simplement des humains pour l'instant. Les deux vampires sont encore en train de déchiqueter des gens. Clairement, ils vous cherchent pas. C'est pas vous qui veulent. Profitons-en. C'est pas nous. Bah, c'est ce que Vassili est là. Bah, c'est ça, Mihail, une fois qu'il a embroché et qu'il a vu que le deuxième était mort, il va relever le regard pour regarder à droite et à gauche et il va appeler Vassili. Vassili n'est pas là. Pas dans cette pièce. Ah, ouais. Il reste une pièce à visiter. Bah, Il voit cache-cache encore. Du coup, bah, vous commencez à vous approcher de la pièce. Bah oui, il n'y a pas eu de réponse quand Mia il a appelé non. Son nom. Non. Sinon, cette fois, on regarde. S'il n'est pas là, on n'est pas obligé de massacrer tout ce qu'il y a dans la pièce. On a faim. Ça me dérange pas. J'aime bien Lucie, mais j'aime bien. Bah, Mia, il va juste retirer son arme de la brochette. Ouais. Et se diriger vers la porte, ouais. Tu te rends compte que le coup a été extrêmement puissant et c'est pas juste de l'avoir embroché, c'est que t'as même carrément coupé une partie de la colonne vertébrale avec la puissance. Ce qui est pas ouf, hein, mais bon, au moins, ça aurait fait une belle fatality de Mortal Kombat. Vous pouvez donc continuer, donc vous approchez de la deuxième pièce tandis que les combats retentissent de l'autre côté. Et bah, en fait, la porte, elle est fermée. T'as beau appeler, t'entends rien du tout, tu vois que personne ne répond. C'est une porte liée à la chambre ou c'est... C'est une autre porte, clairement. Ok. Clairement, c'est là aussi où il y avait bah, les quartiers pour Vassili et pour Lucas. Ah bon, bah... Oui, bah, si c'est...
Si ça veut pas répondre, mais que c'était une de leurs pièces, Mia, il va essayer de... Si ça veut pas s'ouvrir et qu'il n'y a pas de réponse, il va essayer de défoncer. Au vu de la colère ambiante et au vu de la relation que vous avez, que vous entretenez, enfin, que tu entretiens avec tes ghouls, tu n'as pas de jet à faire, c'est vraiment un gros chassé dans la porte que tu arraches à coups de pied. Donc la porte s'envole un petit peu. Bon, tu n'as pas puissance. Est-ce qu'il n'était pas derrière? Et là, splotch. Oups. Non. T'as l'eau, il l'a tué. Il l'a tué. Non. La pièce est recouverte de sang partout. Il y a des cadavres au sol de nouveau. Cependant, la manière d'avoir tué, etc., malgré le côté extrêmement brutal, est très différente de l'opération qui a été faite dans l'autre pièce où les hommes ont été juste avec des couteaux ou des dagues pour les achever, pour tuer les gens. Ouais. Non, tu vois qu'en fait, là, les personnes ont été totalement arrachées, mutilées, méthodiquement, avec clairement une colère d'une certaine manière et un plaisir de pouvoir faire cette œuvre d'art qui est face à toi, qui peut en étonner beaucoup. Et les morceaux qui sont plus ou moins par-ci par-là, il y a même des têtes qui sont disséminées par-ci par-là aussi. Tu reconnais à peu près 5-6 personnes. Ce ne sont pas des hommes que tu connais pour le coup. Tu te demandes ce qu'ils foutent là, tout simplement. Il y a des symboles marqués, quelque chose que... Non. Qui attire l'œil. Il n'y a pas de symbole marqué. Pas de Vassili, je suppose. Vassili n'est pas là, ses vêtements sont encore là. Et tu vois qu'au sol, il y a un de ces morceaux d'étoffe. Je m'attendais à pire. Il a été kidnappé. Je vais te demander un jet de... d'astuce vigilance, s'il te plaît. Ou astuce occultisme. Je n'ai astuce vigilance, du coup. Aucun occultisme. On peut l'aider d'une manière ou d'une autre, ou c'est juste lui qui peut... C'est très particulier à Mireille, pour le coup. Ok. Ça sent quelque chose ici. Ça sent quelque chose de très mauvais. Une corruption latente dans toute cette pièce. Le monstre qui a fait ça est une chose innommable et une chose qui doit véritablement se faire détruire. Tu le sais, t'en as la conviction. C'est lié à toi, à une partie de ton être, à une partie de tout ce que t'as dit ton sire depuis que tu es devenu insimissé. Bah vous allez voir que Mihai, qui avait mis un genou à terre pour récupérer le morceau d'étoffe, il y a un grondement animal, bestial, qui commence à sortir. Il a les crocs à l'air et une colère immense. Et je pense qu'il va peut-être être temps pour un petit jet de... J'allais te le proposer. Frénésie. Un petit jet de frénésie, s'il te plaît, effectivement. Alors, attends, parce que j'ai un défaut qui fait... Alors, attends. Non, c'est pas par rapport aux mêmes choses, ce défaut. Mince. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc... Je te demanderai deux succès. Au total, je te demanderai au minimum... 4 succès, c'est raté. Oh. C'est une frénésie, et non pas une frénésie de faim, ni de peur. C'est une véritable frénésie de colère. Mihail et toute l'équipe, toute la coterie, vous voyez, le voyez s'embraser, ce grondement qui se fait de plus en plus important, et Mihail... Tu ne te contrôles plus, sauf si tu décides de ce qu'on appelle, alors en anglais, je l'ai pas en français, mais je l'ai en anglais. C'est ce qu'on appelle ride the wave, surfer sur la vague. Tu peux embrasser ta frénésie et tout simplement te laisser porter par ta bestialité totale. Ce qui veut dire que tu contrôleras tes actions. Tu auras 5 partout dans toutes tes compétences physiques et ça va être un massacre. Par contre. Je t'offrirai 2 tâches sur ton âme ce soir, au minimum. Et ça fait quoi les tâches déjà? C'est pour les jets d'humanité à la fin. Oui, bah. Il va se contrôler, mais d'une colère. Plus. Donc, je surfe sur la vague. Ok. Du coup, qu'est-ce que On tu fais? On va lui faire une aide d'honneur pour qu'il passe. Ouais.
On va laisser massacrer tout le monde, allez hop, vas-y. Alors, j'ai très peur de mourir. Pour essayer... Alors, je... Ouais, non, j'ai aucun talent de survie, il n'y a rien... De... Pour suivre des pistes et tout. Non, mais là, c'est la soif, c'est la... Enfin, c'est la colère qui va t'animer. Donc, soit tu passes par la fenêtre et tu vas tout simplement foncer, soit tu fais demi-tour. Bah, je suppose que ceux qui ont pris Vassili se sont enfuis par la fenêtre vu que la porte était fermée tout de l'intérieur. Tout à fait. Et bah, vous allez voir Mihail sauter par la fenêtre. Oh non! Je suis désolée. Donc, telle une bête, mode hop! On a perdu des bouts, merde! Bon, on le suit. On a du corps! Mihail, tu sautes par la fenêtre. Oh. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qui arrivera à Mihail. Et c'est arrivé il y a peu, donc avec un peu de chance, je vais rattraper mon bagage. Sinon, on le suit. Hein. Mihail s'engouffre dans l'obscurité et les ténèbres ambiantes. Et les combats qui retentissent. Vous autres, vous êtes encore à l'étage, vous entendez les combats qui sont en train d'arriver derrière vous. Emmerich et Altaïr sont en train de perdre la face aux hommes qui sont en train de monter. Et vous entendez en loin, Marcus! Où est-ce que tu te caches, espèce d'enfoiré? Il est là-haut! Il est dans la pièce là-bas! Il est par là-bas! Je l'ai vu! Qu'est-ce que vous faites? Vous avez... Alors la fenêtre devient tentante. Oui! Oui. Mais techniquement, nos bagages, eux, ils passent par la fenêtre, ça va, ils vont pas se casser c'est quelque chose. C'est le premier étage. C'est un premier étage, si tu tombes mal, tu peux quand même te faire vouler la cheville, mais ça va. C'est des goules aussi. Et quoi, c'est moi qui pense à leur bagage, tant pis. Notamment matérialiste. Je l'aime bien, mon bagage. Regarde dans quel état c'est l'ami Mihail de perdre son bagage. Ce serait grand pour qu'on puisse partir comme des ouf. Ethan, il attend juste un mot, il a déjà les yeux rivés sur la fenêtre. Non, de toute façon, faut passer par la fenêtre. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver à notre fion. Ok. Ethan qui a déjà sauté. Je compte jusqu'à 10. Ouais, moi j'y vais, du coup je suis. Je regarde s'il n'y a pas moyen de descendre en s'accrochant quand même, un minimum. Pour toi ? Non mais toi t'as pas besoin. Ah oui, je peux faire bon surhumain. Non mais... Et tu peux même sortir de la maison, personne te verra. Il n'y a aucun problème, toi c'est la routine. Genre vraiment tu vas faire hop. Si on peut prendre un petit élément de comparaison, si vous avez joué à Diablo, tu fais le saut du barbare, le bon. Tu sautes et tu fais des bons de 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. Oui, bah je saute et je suis prête à aider ceux qui descendent si besoin. Je vous rattrape, moi, dit-elle, invisible. Non, quand j'ai attaqué le gars, je suis sais, mais... invisible. Ça aurait été très drôle. Je vous rattrape. Mettez-moi. Mieux ça que l'inverse. Oui. C'est facile, moi je suis en robe et en talons. Vas-y. Et de toute façon, moi je me dis, Mihail sait où on va. Donc même si on le perd de vue, il sait où nous retrouver. Donc. Ouais, je crois que pour le moment, faut pas trop s'inquiéter pour Mihail. Ouais. Non. Lui, pour l'instant, il s'inquiète pas trop pour vous, je suis désolée. Du coup, Lucie saute. Pas de soucis. Oui. Ouais, moi je serai la dernière à sauter après les bagages encore. Ok. Ok, je saute. Moi je. Tu sais, je veux faire un sifflement très, très strident. Que j'imagine que j'ai dû faire à Dagi par le passé. Vraiment pour si... Bah, je sais pas ce qu'il est, hein, mais je siffle très fort. Il est pas loin. Hein. Et je sors par la fenêtre, parce que bah tout le monde le fait, j'ai pas resté là tout seul. Hein. Bien sûr. J'ai très peur. Alors on va pas se mentir, il va pas être là pour te rattraper, mais il est pas loin. Ah non. Imagine, non, il était là. Oui, j'ai compris. Pop, oui, je vous rattrape. Hop là. Ah bah d'accord. Maîtresse a besoin de moi. Elle est là, rattraper. Du coup, bah, vous sautez, Ethan, tu sautes. Ouais, est-ce qu'il y a éventuellement genre une façade de lierre ou quoi? Ouais, je te l'autorise. Vraiment, ouais, tu vas t'accrocher. Ouais. Oh putain! Alors non, c'est pas pour moi parce que moi je ne la verrai pas, je ne vais pas y penser, je vais juste sauter. C'est pour les autres qui éventuellement y penseraient. Ethan par terre, il y a du lierre! Avant que Esclarmonde, qui va être la dernière et qui va sans doute devoir se battre pour elle sauter, je vais juste faire un jet. Et le chat, je vais vous demander un chiffre. Entre, allez, 1 et 4,
Vous me dites le chiffre, vous pouvez me le dire dans le chat. Ce chiffre tombe dessus, enfin, si on tombe sur ce chiffre... Il y a beaucoup de 3. Il y a beaucoup de 3, ouais. Ben, ça sera 3. Oui. Si on tombe sur 3, il y a un petit buisson pour les rattraper. Oh, oh. C'est vraiment parce que le MJ est gentil ce soir. Et là, c'était un buisson d'épines. Si, sinon, non, ouais, un buisson dessous. J'arrache un buisson et puis je le... Je suis là. Je suis un buisson. What? Oh, bah écoutez, voilà, vous avez vu la force du chat. Bravo. Beaucoup de 3. Un, le buisson à épines, et genre, il fait des dégâts gravés. Un buisson, oui, mais non, un rosier. Surtout. Excusez-moi, quelqu'un fait un échec critique, on peut se faire pioter par le buisson à tout moment. Oh non. Oh. Et là, tu sais, c'est vraiment, tu vas voir ton sire et comme on te dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été pioté par un buisson. Ah, il y a des sacrées épines. Hein. J'ai tombé. Ouais, des bâtonnets tout coup, mais pas le buisson. Alors, Mia et toi, bon, le buisson, tu t'en fous. Un buisson, quel buisson? Une fenêtre, quelle fenêtre? Artemisia et Tan, vous tombez dans le buisson, donc ça va. Plus ou moins à côté, vous tombez pas vraiment l'un sur l'autre, parce que sinon ça fait mal. Lucie, toi t'as pas de problème, tu fais ton petit bond, tranquillement, comme un petit animal sauvage, à sauter. Je suis le marsupilami. Exactement, tu es le marsupilami. C'est ton animal totem, voilà, maintenant tu peux le garder. Ouais. Esclarmont, tu es sur le point de pouvoir toi aussi descendre, quand tu vois bah, du coup les bagages qui restent, donc Emric... Altaïr et Cécile pour le coup qui bah Cécile va sauter mais Emric et Altaïr sont en position difficile, tu vois qu'ils sont en train de reculer dans la pièce, ils sont face à 4 personnes vraiment à galérer pour le coup et ces hommes ont l'air d'être très doués d'une certaine manière, ce sont des bons épéistes mais là clairement ils sont en train de perdre la face tout simplement parce que soit ils sont mieux entraînés soit ils sont gavés de sang. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Et bah, je pense que je vais leur ordonner aux deux de sauter et je vais utiliser célérité pour foncer dans les deux qui sont en train de se battre contre les Nogouls pour essayer en fait de les repousser pour après avoir le temps de faire demi-tour et de sauter à mon tour donc une fois que les garçons ont sauté aussi. Pour les repousser. Ouais, avec l'épée, tu sais, sur le côté pour vraiment comme ça, pour pouvoir les repousser d'un coup. Ok, je vois. Donc, je vais quand même te demander un jet, du coup, un jet d'exaltation pour faire la célérité. Oui. Afin d'utiliser ta super puissance assez extraordinaire pour pouvoir te mouvoir très rapidement. Tu viens de prendre un point de fin pour le coup. Ouais. Donc là, tu as pris rapidité. Non, c'est fulgurance. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que tu fais la fulgurance, donc c'est ce qu'on appelle le blink, et vraiment tu te téléportes sur eux pour les repousser? Ou est-ce que tu as vraiment utilisé ta rapidité classique? Non, je pense que je vais faire vraiment fulgurance parce que si en plus ça peut leur faire un petit choc d'avoir quelqu'un qui apparaît comme ça d'un coup devant eux. Ah oui, totalement. Donc du coup, en fait, ce que tu vas faire, c'est qu'au vu de la situation et de la manœuvre que tu fais, je vais te demander un jet de dextérité mêlée, mais tu vas rajouter ton score de célérité à cette attaque. L'objectif n'étant pas de faire des dégâts, mais juste de les repousser. Ce qui veut dire qu'en fait, quand dans le modificateur, bah, tu vas mettre 3 en modificateur. Ok. Et c'est une très belle action. Pour Alors, mêlée. Hop. Avec dextérité, c'est ça? Oui. Hop. C'est un monde vigile des concerts de Taylor Swift. Quoi? 5 succès. Ok. Donc vraiment, en fait... Et il y a toujours la bête qui est là. Oui, mais vraiment, en l'espace d'un instant, en fait, tu viens de te téléporter et tu les as repoussés tous les deux. Ça met un coup, en fait, avec ton épée. Donc, tu sais, ils sont sur le cul. Et en fait, même les ghouls, pour le coup, qui ne s'attendent pas forcément à ça, qui n'ont pas l'habitude aussi de voir quelqu'un qui se déplace aussi vite, sont un peu, tu sais, abasourdis. En mode, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste faire un jet, voir s'ils réfléchissent et surtout, ils ont le temps de se dire, il faut sauter et il faut pas rester. Est-ce que je peux leur violer aussi de dégager? Pour un des deux, t'as pas besoin d'un jet, hein, il va pas y penser. Il y pense pas, effectivement.
Le deuxième, il y va. Clairement, Altaïr, tu vois que il, en fait, il en profite, il range son épée, puis il fait un plongeon. La tête la première. Mais ça va, il est agile, du coup, il va retomber sur ses patounes. Oh. Tandis que Emmerich, tu vois, il est complètement stoïque, en mode, qu'est-ce qui se passe, l'épée à la main, en mode, je comprends pas trop. Y'a plus la bagarre, y'a plus la bagarre. Je vais le choper par la peau du cou, c'est moi qui vais le lancer, puis après je pars avec. Je crois pas que t'as sans force. Il va rater le buisson, tu sais. Il est en armure, non. Le coco, ça va être lourd. Non. Il est chiant, lui aussi. Pourquoi il réfléchit ? Non, mais juste lui gueule dehors. Tu peux lui gueuler dessus, hein. Ah, bah oui, non, mais je. Déjà, quand j'avais attaqué, je leur avais dit de dégager. Mais apparemment, il comprend pas, donc je vais. Me retourner, en fait, je vais dire tu dégages. C'est vraiment le moment, tu sais, de battement où il essaie de comprendre ce qui se passe. Il dit non, je vous laisserai pas. Et tu vois qu'il est avec son épée, il essaye d'en planter un, donc il va faire une attaque. En fait, il faut le temps que la pièce tombe, en fait. Faut pas trop lui en demander. Oh. En fait, depuis le début, il comprend pas ta langue, c'est juste ça. Fait deux succès, je vais faire un jet de volonté. Oh, bon sang. C'est mieux. 4 succès pour le coup. Donc en fait, tu vois qu'il en profite. Il y en a un qui est complètement un peu désarçonné, tu vois, qui est en train de tituber. Et en fait, il le plante tout simplement. Mais il le plante, tu sais, genre dans le bide. Et il remonte l'épée. Et tu vois qu'il est en train d'un peu l'arracher de l'intérieur. Et tu vois que ça va être vraiment dégueulasse quand il aura fini le moulinet. Mais vraiment, il est en train de le pourfendre comme Jaja. Hein. Bon. Je vais lui dire, c'est bon, t'as fini, maintenant tu passes par la fenêtre. Mmh. Roger. T'as de la chance. Oh, tu vois qu'il fait un signe de tête. Il reprend son épée. Tu vois, pas loin. Il pousse avec son pied pour retirer son épée et il commence à courir. Alors, il court, il est quand même en armure. Donc, il est beaucoup plus lourd et t'entends, c'est le. Et en fait, et il va juste sauter. Alors, ça va on faire. A pas faire des pistons, Ethan. Ouais, ça va pas être beau à voir, mais il va sauter effectivement. Il va se planter au sol, tel un caillou. L'avantage, c'est que l'armure va bien encaisser le choc. Oui, c'est vrai. Par contre, vous qui êtes en bas, vous êtes en train de vous dégager progressivement, vous êtes en train de vous enlever parce que quand même. Éloignez-vous. Vous voyez par la fenêtre un mec en armure tomber. Peut-être la première. Roulez-boulez. Il va quand même prendre des dégâts contondants pour le coup. Désolé Lucie, mais bon. Ça reste une chute du premier étage. Ça reste une chute du premier étage, c'est rien du tout. Il va juste prendre un petit dégât, mais pour les égratignures que ça lui fait. Et parce que ça fait un peu comme Kronk, il est pas très très intelligent. Il y a deux neurones qui se sont enfuis en plus là avec la chute. Il parle écureuil. Il parle écureuil. je dis ça, mais j'adore Kronk, donc du coup. Oui. Meilleur personnage de la. Mais il est trop drôle ce personnage. Très bien. Esclarmonde, tu es encore face à ces deux personnes. Tu as utilisé vraiment ta discipline pour les repousser. Je t'autorise quand même un jet pour essayer de te dégager et partir toi aussi. Donc ce sera. Un jet de dextérité athlétisme. Ok. Je te demanderai 3 succès. Si tu ne fais pas 3 succès, c'est une attaque d'opportunité que tu prendras. Mmh. Tu peux faire un jet d'exaltation avant ? Oui, tu peux te gonfler ton sang si tu le souhaites. Oui. C'est réussi, donc tu peux récupérer jusqu'à 3 dés supplémentaires pour ton coup de sang. Donc, tu fais un modificateur de plus 3. Ah merde, j'ai oublié de le faire. Tu peux relancer 3 dés. Oh, excusez-moi, je vais relancer. Hop, ça arrive, c'est pas grave. Hop, allez, on y va les gens. Bonsoir Laimia, bienvenue. 3 succès. Et la petite bébête, Et donc en fait, vraiment, dans ce laps de temps où tu les as repoussés, t'as gueulé sur Emmerich, et bah tu commences à plonger toi aussi par la fenêtre. Vous vous retrouvez en dessous, tous ensemble, face au chaos ambiant qui est autour de vous. Et c'est surtout qu'en fait, vous vous rendez compte que la villa, dans certains endroits, en partie l'écurie, est en train de prendre feu. Les personnes qui sont venues ici sont venues pour tout détruire.
tuer tout le monde présent, y compris vous, mais ce n'est pas vous qu'on cherche visiblement. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en bas. On se casse. On va prendre la poudre d'escampette. Quel est le chemin, a priori, oui, le plus safe pour quitter la villa? Alors, il y a plusieurs entrées. En fait, il y a plusieurs portes. Hein. C'est quand même une villa un peu cloisonnée. Mm-hmm. Du coup, il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Il y en a une à l'extérieur, il y en a plusieurs à l'extérieur, dont une qui n'est pas très très loin de vous. À première vue, il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis, mais je vais vous autoriser un jet d'astuce vigilance pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est présent. Je vous demanderai 3 succès, s'il vous plaît, afin de voir s'il y a quelque chose de dissimulé dans les ombres. Tandis que Mihail continue son chemin et je vais reprendre après avec lui. Eh bien, c'est Artemisia qui fait son meilleur jet. Artemisia, bravo. Oui, bravo, déjà, vraiment. Parce que voilà, c'était pas gagné. Non, clairement. Pour le coup, effectivement, il y a quelqu'un dans les ombres. Tu sais pas si c'est une personne qui est là pour observer, ou qui est là pour se battre. Mais clairement, pas très très loin de la sortie. Il y a... T'as du mal à savoir si c'est un homme ou une femme qui est planqué. Mais il y a une espèce de silhouette qui est vraiment accroupie. Et en fait, t'as juste vu la lumière d'une lame grâce à la lune. Vraiment, c'est très léger. Qui est juste dégainé. Est-ce que je peux utiliser mon sens accru pour essayer de déterminer... Enfin, qui c'est ? Enfin, si c'est ce que je connais, si vraiment... C'est un qui observe la scène ? Je peux avoir plus de précision avec sens accru ? Bien sûr, tout à fait. Ok, je fais ça alors. Il y a le... Non, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je voulais faire. Bon, bah écoutez, on va voir ça. Hein. Tu fais 2 succès. Enfin, de toute façon, en fait, ça se rajoute techniquement au jet que tu as déjà fait, donc tu feras 5 succès. Effectivement, il y a quelqu'un qui est planqué. C'est pas quelqu'un que tu connais. Pour le coup, c'est un homme... Tu lui donnes, allez, 30-35 ans, il est bien typé turc pour le coup. Tu vois qu'il a un bandana qui est attaché à sa tête. Il a les cheveux plus ou moins longs. Plutôt beau gosse, même si tu vois un peu l'obscurité. C'est surtout qu'il est habillé avec vraiment une tenue, alors un peu de fourrure autour de lui, etc. Et tu vois même qu'il a des boucles d'oreilles en fait qui brillent un petit peu dans le noir. Le détail en fait qui est assez important, c'est que au moment où tu commences à te concentrer à l'observer, tu vois que les yeux qu'il a, en fait, basculent et deviennent plus ou moins rougeâtres. Mm-hmm. Donc maintenant, tu es face à 2 billes rouges dans l'obscurité qui sont en train d'observer. Un petit gangrel, peut-être. C'est possible. Alors du coup, je reste à le fixer et je vais parler... En Italie. Je sais pas si quelqu'un parle italien dans l'équipe. Ouais. Bon, j'ai parlé en italien, supposant que Ethan au moins parle italien. Est-ce que je parle ? Il y a quelqu'un dans les ombres. Personne ne comprend. J'active du coup voir l'invisible. Mais tu comprends ce qu'elle dit ? Vu le nombre de langues que je parle, je pense que je parle italien. Ouais, je vais aller vérifier. Je crois, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est pour ça. Ah non, je peux peut-être te faire un petit jeu de linguistique pour, ouais, à la base de latin, voir si je comprends. Intelligence académie, enfin intelligence érudition, ouais, s'il te plaît. Déjà vérifie si tu l'as. Ouais, oui. Vérifie si jamais tu l'as, si tu ne l'as pas, c'est intelligence érudition, s'il te plaît. Oui, bah, de langue. Parle avec les mains, bah oui, forcément. Alors, oui, il prend du temps, hein, mais c'est parce qu'il a beaucoup de langues, hein, vraiment. Désolé. Alors non, ça c'est chinois, ça c'est... Ah non, effectivement, je ne parle pas l'italien, mais du coup, je t'ai fait un petit jet, j'ai 3 succès pour un jet de... Ouais, tu comprends un petit peu là-bas quelque chose, vraiment.
Tu dis que vraiment il faudrait que tu apprennes l'italien. Ça va faire partie de ce que je vais apprendre. Il y a des rituels pour ça. Tout à fait. Du coup, tu peux aussi faire un jet si tu le souhaites pour observer, ou tu fais confiance aux paroles de ton amie conspiratrice. Afin de savoir... Par contre, moi, vu que je comprends rien et qu'ils sont en train de fixer un truc. Moi, je vais surtout dire, on attend quoi là? Il faut bouger. C'est un très beau buisson, mais on s'en fout, non? Oui, non, mais en gros, on attend quoi là? On y va. En cette saison, elles ont fleuri. Après, par contre, Shrimp, vraiment, je fixe droit dans les yeux rouges, hein, je les fixe. Oui, j'ai compris. Voilà. Mais les gens te comprennent pas. Je sais bien. Je sais bien. Qu'est-ce que vous faites du coup? Alors, je perce le voile. Ok, donc je me fais un jet de percer le voile. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Trois succès. Moi, j'ai dit, je les ai interpellés. Si j'ai pas de réponse, j'avance. Hein. Ok, tu commences à avancer parce que pour l'instant, ils sont concentrés dessus. Moi, je dis, on bouge avec Lucie et je dis au coco de nous suivre et. Je dis, je balance des ordres. Genre, Cécile, tu me suis. Emmerich, tu nous couvres. Ok. Ethan, tu commences à percer le voile. Quand tu perces le voile, en fait, tu... Et on prend par la main les deux autres. Tu constates pour le coup qu'il y a bien quelqu'un présent, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus. Il y a juste une personne qui est dissimulée. Elle n'est pas sous occultation. Elle est juste là. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de personnes supplémentaires en occultation. Non. Par contre, au moment où vous êtes en train de fixer vraiment la personne, etc., vous voyez qu'il y a des flèches qui tombent pas très très loin de vous. Qui sont pas forcément visés sur vous, mais c'est juste qu'en fait, vous voyez des volets de flèches un peu partout hein, qui commencent à fuser. Vous entendez les claquements des arbalètes, des mecs qui sont postés sur le toit, etc., en train d'essayer de défendre. Clairement, faut pas rester ici. Ouais, on se casse. On y va. Lucie, tu prends Emmerich par la main parce qu'il est chiant, il écoute rien. Occupe-toi de tes bagages. Ah, ça va, mon bagage, il me suit. Tu dis ça à RP parce qu'elle va juste te regarder en mode, je sais. Oui, c'est un écureuil. Oui, mais... Elle lui dit vraiment. Oh, le mépris. Alors moi, pareil, je suis le groupe. Par contre, vraiment, tu sais, même quand je marche en arrière, j'ai quand même un dernier regard par là parce que ça m'intrigue énormément, cette petite personne. Je la garde, je vais la noter dans un coin de ma tête. Je suppose que c'est ça a pas l'air d'être quelqu'un qu'on connaît. Non. Bah, de toute façon, dans l'obscurité, revoir quelqu'un, savoir si tu le connais ou pas, c'est compliqué. Bah, d'où l'intérêt de l'autre. Fallait le dire, dans une langue que tout le monde connaît. Mais là, oui, mais je considère qu'Artemisia a peur, et quand Artemisia a peur, excusez-moi, pareil, c'est la maternelle. Du coup, vous commencez à foncer, je suppose, pour essayer de vous barrer. Oui. Donc, vous allez passer... Oui. J'ai juste une question, du coup, pratique... Ça fait qu'on va dans quelle direction? Parce que, idéalement, vu qu'on est dans le quartier vénitien, je trouverais bien qu'on aille vers la côte, vers les docks. Tout à fait, oui. Parce on voulait les longer pour retrouver Kalia. C'était l'idée, donc considère effectivement que c'est dans la bonne direction. Il va falloir courir pour y aller, il y aura facile 10-15 minutes à courir pour aller jusqu'au dock, mais oui, c'est dans la bonne direction. Et Mia, il ne peut même pas porter Artemisia, c'est chiant. Oui. Allez, il faut courir, Arte. Et go, hein. Allez. De grandes foulées. Vous n'avez pas besoin de faire de jet d'athlétisme, mais vous allez effectivement commencer à courir. Esclarmonde, Lucie, vous êtes les premières à foncer. Bonne question que j'ai oublié de poser tout à l'heure, j'y ai pensé, j'ai oublié, c'est est-ce que les deux Nosfées sont de retour, vu qu'ils ont traversé la ville en courant eux? Alors oui, mais ils sont pas là face à toi, mais par contre oui, ils sont présents, oui, ils sont en train de se battre. Ils doivent être dans la ville, là. Oui, ils sont en train de se battre, mais par contre ils sont pas face à toi, non, clairement pas. D'accord. Oh non, t'es gardé corps. Je pense qu'avant de partir, j'aurais juste eu un regard pour voir si d'un coup ils sortaient d'occultation, mais c'est tout. Je traîne pas. Pour le coup, vous ne voyez pas Jacques et Régis, effectivement. C'est bien. Le chat se souvient. Merci du rappel, le chat. Plus que nous. Du coup, vous commencez à y aller. Vous allez courir, tout simplement. Il n'y a pas de jet à faire. Essayez de prendre un peu la corde à son cou pour essayer de s'échapper. Lucie et Esclarmont, vous êtes les premières à foncer.
pour déjà déblayer le chemin, tandis qu'Emeric et Altaïr vont couvrir derrière, avec Samuel qui vous a suivi plus ou moins. Tu vois qu'il est passé par la fenêtre aussi, mais pas par la même, hein, par une autre fenêtre. Et tu vois qu'il est en train de revenir un peu tranquillement. Vous avez donc récupéré tous vos bagages. Dagi est en train d'arriver aussi. Alors tu vois qu'il a... il est en train de finir de se battre avec un mec, il est en train de courir pour vous rejoindre. Ça vocifère des mots d'oiseaux, des noms d'oiseaux dans tous les sens, dans plein de langues différentes. Et vous êtes en train de courir vers cette sortie. C'est beau. Lorsque vous arrivez vers la sortie, qui n'est vraiment pas si loin que ça, au bout de même pas 2 minutes, la porte est totalement ouverte. Le loquet qui était là a été complètement arraché. On se demande par qui. On se demande par qui et par quoi. Et vous pouvez enfin sortir. Un géant de 2 mètres. Très en colère. Vous êtes à l'extérieur, la silhouette en fait s'est reculée pour vous laisser passer. Le buisson, ça va. Le buisson vous a laissé passer. Le buisson ardent, il est parti. Vous êtes donc à l'extérieur, Lucie Sclarmonde. Vous êtes les premières à constater avec effroi ce qui est en train de se passer dans ce quartier. Des maisons en feu, des gens en train de courir et de se faire massacrer par des choses assez étranges. Potentiellement même des gens comme vous, des Kainites, des vampires, en train d'arracher des têtes, de drainer sur place, de se bouffer entre eux, parce que vous voyez certains qui sautent au cou des autres et qu'il y a des tas de poussières qui se font au bout de quelques secondes. C'est un véritable chaos, tandis que les boulets des trébuchets, enfin les rochers des trébuchets fusent, des maisons se font totalement écrabouiller et au loin, sur la mer, vous voyez des bateaux en feu qui sont en train de progresser et de totalement sombrer progressivement. C'est un chaos total auquel vous êtes confrontés. Les docks ne sont pas très loin. Même de là où on est, parce qu'on est plus dans les terres, enfin c'est le bras de mer qui est un peu plus dans les terres, on voit quand même. Tout à fait, bien sûr. Bah, tu sais, un bateau en feu, même à genre 10 km, tu le vois. Mais c'est plus au niveau de l'angle, en fait. Oui, non, mais tu vois qu'ils ont continué, en fait. Il y a des bateaux qui ont pu passer. D'accord. Mais oui, je crois que c'est un peu nivelé aussi. Tout à fait. Constantinople. Et c'est du feu grégeois. Ah oui, mer, on est peut-être sur une colline, ouais. C'est la Croix-Rouge. Ouais, la Croix-Rouge est là, mais elle n'est pas là pour soigner les gens. Non, pas dans ce cas précis, effectivement. Et donc, vous constatez vraiment avec effroi cette scène totale de chaos. Et surtout, de vous rendre compte, enfin, que l'assaut a été lancé, mais de constater ce qu'a causé cet assaut. Les gens n'attendaient que ça. Et le plan de vos sires était peut-être tout simplement de profiter de ce chaos pour arriver à leur fin. Vous allez donc... Oui. Sûr. Ça, on s'en doutait, vu qu'ils nous avaient parlé de la guerre qui allait se lancer. Tout à fait. Vous allez donc sortir de la villa et je repasse à Mihail. Mihail, c'est avec une colère totale, la bête qui rugit en toi. Tu commences, en fait, après avoir sauté par la fenêtre, tu ne vas pas réfléchir longtemps, c'est vers une des portes que tu vas te diriger, une des portes où tu estimes qu'il y a potentiellement un endroit, enfin pas potentiellement là où Vassili serait parti. Sur ton chemin, tu croises des Francs, tu croises des Vénitiens, tu croises aussi d'autres personnes qui n'ont pas leur place ici. Peu importe, c'est sans distinction que tu vas te battre, arracher chaque morceau de personne qui est sur ton chemin. L'épée que tu avais à la main a tout simplement été rangée pour laisser place à la boucherie totale de tes griffes. Et tu te rends compte, avec exultation totale, que la moindre armure ne sert à rien face à ces griffes. Et ce n'est que le hurlement et les cris de douleur que tu entends qui te font te rappeler à quel point tu aimes ce que tu fais, que tu as toujours aimé ça et que ça t'a toujours rappelé de bons souvenirs. Comme si, d'une certaine manière, on t'avait conditionné à ça. En mode Taz, oui. Putain. Alors j'adore. J'aime beaucoup.
Taz, Marsupilami, il y a un thème. Il y a un thème ouais, ce c'est soir. Ça. Hein. J'aime bien aussi comme mascotte pour moi. Donc toi, par contre, tu es en train de te diriger non pas vers la sortie où se trouvent les autres, enfin où vont se trouver les autres avec cette silhouette, mais tu vas te diriger plus vers les écuries et l'entrée principale. Bah ouais, l'idée, ça va être d'essayer de repérer quelque chose, une piste qui peut le mener à Vassili dans la folie de sa colère. C'est quand même son seul objectif, là. Et Lucas aussi, mais il a moins d'inquiétude pour Lucas dans le sens où il sait se battre et Vassili, c'est plus compliqué. Du coup, tu commences à te diriger vers les écuries où tu vois qu'il y a énormément d'hommes par-ci, par-là. En fait, tu te rends même pas compte de ce qui est en train de se passer tellement tu es enivré par le sang et la colère. Donc, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de jet à faire, vraiment vu la situation, mais tu vas rentrer dans la chair. Comme si tu étais tout simplement en train d'arracher des peluches. Hein. Voilà, c'est vraiment. Tu vas enlever du coton. Tu vas te hop, hop, hop. Et vraiment, tu des viscères, de la peau, tout des os. Et heureusement que les autres ne sont pas passés par les écuries. Parce que ça aurait été constaté avec effroi ce que tu avais laissé sur ton chemin. Quand tu commences à y arriver, tu vois qu'il y a plusieurs chevaux qui sont en train de se barrer. Et dont un cheval avec quelqu'un pour le coup. Qui est en train de partir au loin. Tu vois qu'il y a une personne qui est, tu sais, allongée vraiment sur le cheval, comme si on l'avait assommé, on l'avait installé. Et il y a une autre personne, pour le coup, qui est en train de diriger ce cheval. Le truc, c'est que malgré la colère, malgré le fait que tu sois totalement un peu aveuglé par cette haine, je vais te demander déjà de me faire un petit jet de volonté pour essayer de te récupérer ta situation. Je te demanderai 3 succès. Pour essayer de reprendre le dessus. Mais c'était pas loin, mais non. Ça confirme que tu es toujours en frénésie. Cependant, je t'autorise un jet d'astuce vigilance. Deux succès, ça suffit. Tu ne verras pas la personne véritablement. Son visage ni quoi que ce soit. Par contre, tu reconnais quelque chose. Quelque chose d'extrêmement important. Parce que, à l'arrière, cette personne est équipée d'un bouclier. Et sur ce bouclier, il y a un écusson que tu reconnaîtrais parmi des milliers. Parce qu'il s'agit tout simplement de l'écusson de ta famille. Et la personne qui s'est échappée avec visiblement Vassili, que tu reconnais. Tu la reconnais même à l'odeur, pour le coup. Je te rappelle que tu es sous forme de bête. Il a été enlevé par quelqu'un de ta famille. Ou quelqu'un d'affilié. Ton père est mort, certes. Mais ça ne veut pas dire que la famille ne continue pas. Est-ce que tu vas à sa poursuite ? Ça veut dire que c'est un cheval à pied. Ouais, j'ai pas célérité, moi. Non, mais t'es en frénésie. Mais t'es en frénésie. C'est tu vrai. Peux essayer. Je te demande, normalement, alors, ça me donne combien ? Tu es à 5 dans toutes tes stats de physique. De physique. Ce qui veut dire que tu as 5 en dex maintenant, que tu peux ajouter à ton score d'athlétisme. Pour rattraper le cheval. Sachant qu'il vient à peine de sortir des écuries, qu'il n'est pas à pleine vitesse, il pas et qu'il à doit se rayer un chemin. Tout à fait. Je te demanderai 4 succès. Oui, j'ai plus de... Si je dois le courser, parce que sachant qu'il y a du monde en plus sur les routes, comme tu dis que c'est le chaos, moi j'ai plus de facilité à me faufiler en étant à pied que lui sur un cheval. Tout à fait, mais alors, dans ce genre de situation, quand tu es à cheval, tu écrases les gens. Oui, c'est sûr, mais ça ralentit quand même un peu. Oui, ça ralentit. Oui. Et après, si c'est un petit poney, t'as de la chance d'aller plus vite que lui. Moi, j'ai des plus grandes jambes que toi, poney. Alors, petite anecdote, mais qui m'a fait beaucoup rire et qui n'a rien à voir. J'ai vu des gens qui ont fait un mod sur Red Dead Redemption 2 pour la taille du cheval, et ça fait un tout petit cheval, et vous voyez sauter sur un petit poney. Voilà, c'était très drôle. C'est les petits Shetland, tu sais, que tu montes et t'es comme mignon. Ça. Oui, c'est mignon en plus. Fun. Elle peut utiliser la puissance de sang en frénésie, oui, mais la bête n'y pensera pas forcément. Là, la bête, elle fonce.
Bah ouais, là, l'objectif, ça va être de... Là, s'il sent qu'il a une chance de peut-être rattraper le cheval, il va essayer de le poursuivre, ouais. Tout à fait. Et bah, écoute... Il sent que c'est faisable, il y va. 4 succès. Et en sentant l'odeur, sa colère est doublement renouvelée. Bienvenue Archibald, merci beaucoup pour le follow. Ouais. Bienvenue à toi et... Donc crâle. C'est athlétisme, dex. Dextérité, athlétisme, ouais. En plus, là, t'es à 5 en dex. Si. Ouais. Si. Ouais. Si. Ah, si. Ah, c'est pas ouf. 7 ah, si. Succès. C'est pas ouf. Non, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu. C'est pas mal. Tu te rends compte que la bête te donne des ailes. Tu as pas pris de Red Bull, mais tu avances à une vitesse assez incroyable. En fait, en quelques secondes, tu arrives... au pied du cheval, vraiment sur son flanc, tu vas du coup pouvoir placer une attaque et essayer de l'arracher si tu veux. Ah bah d'un coup de griffe, il va voilà, il va faire un grand mouvement de balayage de coups de griffe pour frapper le cheval et faire tomber. Je te demanderai un dextérité mêlée pour le coup. Pareil, dextérité à 5. C'est pratique d'embrasser la bête. Oh oui, puis l'humanité, on s'en bat un peu les steaks. Hein. Ouais. Pour Mihail. Oh, il se fait balayer le truc. Mm-hmm. Nouvelle marque de de café, la bête ailée. La bête ailée. J'avoue. Tu viens de faire 5 succès. Et en fait, vraiment, bah, en courant, tu vas t'accrocher au cheval et tu vas l'arracher. En fait, tu vas arracher son flanc. Et en fait, tu te rends compte que quand tu lui arraches le flanc, c'est la jambe qui part. Le sabot arrière droit que tu arraches complètement. Ça va marcher beaucoup moins bien. Mais en fait, le cheval s'effondre. Le mec est complètement désarçonné et tombe au sol. Et bien évidemment, Vassili tombe au sol aussi. Bah en fait, quand il va voir ça et que Vassili est tombé au sol, en fait, il va se mettre un peu comme une bête et il va se mettre au-dessus de Vassili comme pour le protéger, tu vois. Alors, tu vois que du coup, il a un peu, enfin, il est un peu assommé, donc il commence à se réveiller, tu vois, et en fait, tu vois de l'effroi en train de naître sur son visage, à essayer de se débattre un peu par-ci par-là, mais vraiment à essayer de s'échapper parce que c'est horrible hein, ce qu'il est en train de voir. Et moi. Bah oui, toi. Qui d'autre? Oui. Bah, dans les faits, Mihail, il est pas au-dessus pour le regarder. Là, c'est qu'il se met en mode de. Oui, pour le protéger. Oui. Voilà, pour le protéger, mais il a les yeux rivés sur celui qui l'a enlevé. Tu vois que la personne qui l'a enlevé commence à se redresser progressivement. Il est en armure. Alors, les plates n'existent pas à cette époque-là, donc on est plus, tu sais, sur des agglomérats de plaques d'acier, etc., qui sont par-ci par-là, donc un plastron. Et en fait, il se retourne vers toi et tu vois tout de suite qu'il sort son épée. Ses yeux également s'illuminent dans la nuit. Et tu vois qu'il y a un sourire qui commence à naître sur son visage. Et surtout, le point très important, des canines qui sont en train de sortir doucement. Le visage, tu ne le reconnais pas. C'est pas quelqu'un que tu connais ou du moins que tu as pu croiser. Et tellement aveuglé par la haine, tu t'en bats les couilles. Il faut dire les choses, il faut dire les termes. Là, tu veux juste le buter. Alors, si ça avait été quelqu'un qui connaissait, ça l'aurait peut-être certainement interpellé. Mais il aurait la finalité aurait été la même. Là, effectivement, il le connaît pas. Ça l'importe encore moins. Il va même pas essayer de dire un mot. C'est... Il va essayer de lui sauter à la gorge, quoi. Et bah, initiative. Bon, il y a des chances que t'aies l'initiative. Alors, attends. Ça compte aussi le plus 5, du coup, là? Oui, tout à fait. Salut, Cora. Un des 10 plus. Let's go, Lariette. Donc, vous êtes en forme, ce soir. Nous, on est derrière, on fait les pop-pop girls. De loin. Tu as l'avantage. J'ai l'avantage. Et bah, comme moi en plus j'avais pas sorti mon épée, ça va être. Oh non, ça va, j'ai le même. Ah non, j'ai un peu moins en bagarre, mais c'est pas grave. Bah, ça va être avec les griffes, où il va essayer de viser les points vitaux.
Mais voilà, c'est le but, c'est vraiment de lui arracher soit la gorge, soit un membre, enfin. Ouais. Du coup, ça va être un jet d'attaque, s'il te plaît. Alors. À la bagarre, on est d'accord. À la bagarre. La bagarre. La musique vient juste de se calmer. Casse-lui la tête. 4 succès. Très bien. Donc lui, a le droit aussi d'essayer de faire de quoi se défendre. Alors ma question c'est, là dans le cas présent, je peux pas utiliser le jet de volonté pour faire relancer des dés ou il n'y a pas assez Ou avec la bête je peux pas peut-être, tu me diras. Là avec la bête c'est un petit peu compliqué. Tu peux le faire... En sachant que tu as soif 1, ouais. Je peux te l'autoriser. Par contre, tu pourras pas en faire tout le combat. Parce que ça t'épuise énormément, hein. Franchement. Bien sûr, mais le but, c'est que c'est de... Là, Miaël, dans son idée, c'est vraiment de le buter. Tu veux le one-shot. Je vais pas le one-shot si c'est un vampire. Façon, mais... Tu peux lancer que les 2D. Oui, mais je peux relancer que... Voilà. J'ai fait 5 succès. C'est sérieux le MJ là? Oui, j'ai mis le méchant. Le méchant. Ah merde, attends, j'ai fait ça. Non, c'est comment on fait pour relancer Tu fais slash roll de D10, c'est très bien. Ah bon, bah si c'est bon. Bah, donc, pas de succès. Pas de succès supplémentaire. En fait, tu commences à lui sauter dessus, tu vois, et tu te rends compte que malgré ta vitesse, malgré ta capacité de combat, etc., et ta maîtrise de tes griffes et ton côté très bestial, en fait, ça le perturbe pas du tout. Et tu vois qu'il s'interpose avec son épée. Où tu commences, tu sais, à mettre ta griffe dessus pour essayer de le transpercer, tu vois que ça s'arrête sur son épée, et vraiment t'es en train de griffer l'acier, qui ne se brise pas pour le coup. Normalement c'est censé se briser, ça ne se brise pas. Et tu vois qu'il te fait un grand sourire. Je savais bien que tu tomberais sur le bâtard Vakareshku. Mia, il va pas lui répondre. Tout ce qu'il fait, c'est de le regarder les dents découvertes. Très bestial encore, toujours. Et il va t'attaquer, du coup. Mais il a pas déjà fait une action, du coup? Non, en fait, pour t'expliquer, c'est le score contre le score contre score. Ok. Donc là, il va t'attaquer. Le principe en V5, les deux font un jet d'attaque. Oui, c'est ça. Okay. Et c'est celui qui fait plus de réussite qui gagne en fait l'attaque. Donc là, s'il m'attaque, moi aussi j'aurai un jet. Tout à fait. Ouais. Ouais. Alors on est sur un vrai combat. Bah évidemment, c'est le MJ. Je vais me faire défoncer. 8 succès. Oh. Non, mais pardon. Alors c'est laisse quoi pas faire, Mihail. Il veut t'impressionner, te laisse pas faire. Je suis pas inquiète. Là, ça va être quoi, moi, si je veux faire? C'est aussi Dex mêlée, alors que j'ai pas d'arme de mêlée. Ça pour un ça bagage. Ça va être un Dex bagarre, pour le coup, parce que tu tapes avec Dex tes griffes. Dex bagarre. Ouais, tu peux parer avec tes griffes, hein, on va pas se mentir. On est quand même sur des griffes de protéisme. Oui. Ou force bagarre? Force bagarre, oui, aussi. Tu peux. En fonction de ce qu'elle est mieux. De toute façon, elle a 5 partout. J'ai 5 partout. Ouais, de fait. Laisse-lui Edo. Non, mais le MJ fait toujours des bons jets, mais quand il est PJ, c'est mais oui, contre bon... nous, il... Deux succès, ok. Tu te prends, du coup... Alors, je portais sur moi une broigne, je crois. Ouais. Donc, ça réduit les dégâts, je crois. Ça va réduire les dégâts. Non, tu vas prendre juste 2 points de dégâts létaux. Comment on les note, les points de dégâts létaux? En fait, tu as des points de santé, tu peux les baisser. Oui. On les baisse juste on peut mettre des coches. Tu les coches. Ouais, c'est ça. Et la croix, c'est les aggravés. C'est les aggravés, tout à fait. Okay. Une barre, c'est du superficiel. 2 barres, c'est les dégâts graves. Tout à fait. Donc l'étal, c'est du grave. Du coup, en fait, tu vois qu'il. Donc c'est du. Oui, c'est aggravé. Ouais. Il n'y a plus d'aggravé, c'est grave. Oui, oui. C'est juste c'est aggravé et superficiel. Superficiel. Ça marche. En fait, tu te rends compte qu'au moment où tu es. Donc tu as attaqué, tu vois que lui apparaît avec son épée, il a profité pour reculer son épée et te faire une passe. Tu te rends compte qu'il est quand même très adroit avec son épée et en fait il te tranche, mais
vraiment, tu sais, au niveau du genou, pour essayer de te déstabiliser. Alors, t'es quand même en frénésie, donc au final, ça va pas trop te déstabiliser. Mais pour essayer de te couper une partie du tendon, tu vois, pour t'immobiliser. Tu prends que 2 points de dégâts, c'est quand même beaucoup. C'est de nouveau à ton tour. Oui. Sachant que Mia, il ressent très peu la douleur par rapport aux autres. Oui, donc, ça ne l'arrête pas. Et... Est-ce qu'en voyant qu'il a l'air quand même très doué à l'épée, la bête va pas se dire que sortir l'épée, ce serait pas un peu si, mieux? Si, tout à fait. Je peux estimer que totalement. Donc il va sortir son épée. Très bien. Tu ressors la flamberge du coup. Ouais. Et bah ça va être jet d'attaque en mêlée, s'il te plaît. Je t'autorise. Ah non, c'est trop tard. Là, tu sens que la pression commence à retomber quand même. Je t'autorise quand même un jet de volonté pour voir si tu reprends un petit peu tes esprits pour un vrai combat et non pas juste la bête qui est totalement en train de se battre contre ça. Ouf. Tu reprends le contrôle, ce qui veut dire que tu n'es plus à 5 partout en physique. Donc là, clairement, la frénésie est en train de retomber. Par contre, tu peux maintenant de nouveau utiliser tes points d'exaltation. Enfin, ton... Oui, de faire des jets d'exaltation. Oui, c'est ça, les jets d'exaltation pour gagner... Tout à fait, jusqu'à 3 dés supplémentaires. Donc là, sur ton jet, je t'autorise, si tu veux, à me faire un jet d'exaltation. Sachant que sur le jet que j'ai fait, il y avait déjà un dé en plus parce que j'avais mis dextérité à 5 et j'ai à 4. Donc je peux relancer... Tu peux relancer 3 dés quand même. Enfin, tu rajoutes 3 dés si tu le souhaites. Ah, tu réussis, tout à fait, donc c'est bien. Tu ne prends pas de points de fin supplémentaires et tu peux utiliser 3 dés supplémentaires pour essayer de lui faire plus de dégâts. Donc là, slash roll, 3 dés 10. Et 2, 1, quoi. C'est dommage. Donc le méchant va taper. J'ai fait que 3 succès. Donc yes. Tu as l'avantage. Tu touches, tu tapes à la flamberge, tu fais 4 points de dégâts avec ton arme. Tu lui tapes où exactement? Non, Mia, lui, il est là pour tuer, donc c'est... Et s'il reprend un peu plus ses esprits, il va taper là où c'est le plus simple, en fait. Alors, les extrémités, les bras, les jambes, la tête. C'est ça. Quitte à essayer de le désarmer ou... Enfin, pas de le désarmer, mais ouais. Bah, dis-moi où tu tapes et je te donne la situation. Plutôt, ouais, vers là, au niveau des épaules. Tu okay. vois. Je vais lui faire un jet de vigueur, du coup. Pour voir si le bras n'est pas sectionné. T'as de la chance. Tu vois qu'en fait, il y a une partie du bras qui commence à... En fait, avec la force de la flamberge et le coup que tu viens de lui asséner, tout simplement le morceau du bras, tu vois, il est en train de se trancher. Alors, il est encore présent sur, sur le corps. Mais clairement, il lâche son épée, en fait, tout simplement, avec le coup brutal qu'il vient de se prendre. Ça l'a totalement désarçonné. Du coup, c'est son tour. Je vais faire un jet de volonté, voir si il va essayer de s'échapper ou pas. Voir tout ça. C'est possible que non. Bon, il était assez con pour essayer de me voler mes bagages, alors est-ce qu'il va être assez con pour ne pas fuir? Non, il n'est pas assez con pour ne pas fuir. Et tu vois que... alors il grimace, bien évidemment, ça fait un mal de chien. Et en fait, il va tout simplement utiliser un coup de sang aussi. Et tu vois que son bras est en train de se ressouder progressivement d'un coup. Et à ce moment-là, en fait, tu commences à lui mettre le... Enfin, tu vois que le bras est en train de se ressouder un petit peu. Alors, pas exactement, parce que le coup était quand même vachement puissant. Mais tu vois qu'il te regarde avec un grand sourire, où tu le vois maintenant un peu plus son visage. Et tu te rends compte, avec beaucoup d'étonnement, qu'il a des traits qui ressemblent beaucoup à ceux de ton père, pour le coup. Et tu vois que... dans ce sourire un peu narquois, en train de se replacer le bras,
On se reverra, espèce de bâtard, et j'aurai ta peau. Andrian, ton. La prochaine fois que je te reverrai, tu mourras. C'est ce qu'on verra. En tout cas, Andrian t'envoie ses plus beaux remerciements. En entendant ce nom, Mihail va cracher par terre. Et du coup, il va tout simplement s'enfuir. Comme la frénésie est retombée un peu, il y a une envie de Mihail de le poursuivre et de l'achever, mais là, on n'est pas loin quand même de la mêlée et du bordel, donc... Il va plutôt faire demi-tour pour récupérer Vassili. Très bien. Donc tu vois qu'il est au sol, en train de vraiment reprendre ses esprits, d'essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois. T'as même l'impression, pour le coup, qu'il a plus ou moins été drogué. Du moins, c'est la sensation que ça donne. Soit il a été assommé très très fort, il s'est pris un gros coup de bonk, mais ce qui est tout à fait possible. Soit vraiment on l'a drogué, ce qui est une autre possibilité. Il va vérifier son état, s'il a l'air blessé. Non, il a pas l'air blessé. S'il réagit quand Mihail s'agenouille à côté de lui, s'il réagit. Ouais, tu vois qu'il comprend pas ce qui se passe, clairement. Il faut qu'on parte. Bon. Il faut qu'on parte d'ici. Je sais pas ce qu'il me voulait. On en parlera après. Tu peux te lever. S'il peut pas, Mihail va l'aider à le porter. Je sens plus mes jambes pour l'instant. Donc Mihail va grogner un peu et le porter. Bon, tu l'attrapes comme un petit sac à patates. Bah, s'il a ses jambes qui les sent plus, ouais, il va le porter. Et tu vas donc en direction de la sortie, là où le mec se dirigeait. Il va surtout se diriger vers là où il espère trouver Lucas pour le ramener aussi. Ouais. Bah, tu vois que Lucas est en train de revenir avec 4 francs pas très très loin, ils sont en train de se battre. Il y en a beaucoup qui sont morts hein, sur le chemin. L'appeler avec un cri. Lucas, on s'en va maintenant. Du coup tu le vois un petit peu en train de s'approcher, mais surtout, mais il est encore une fois couvert de sang, limite il s'est baigné dedans, tu vois. Et en fait il finit d'achever des gens et il a pas envie de partir, mais bon, le fait que tu le rappelles à la raison... En fait, c'est pour lui, ça fait côté bruit blanc d'un coup. Tu sais, vraiment, il est totalement dans le combat. Il oublie tout ce qui se passe autour de lui. Et ça lui fait le réveil, tu sais, en mode... Ok, il faut que je me casse, en fait, tu vois. Et puis là, il n'y a aucun plaisir dans la voix ou le regard de Mihail. C'est très sévère. Ok, donc du coup, il commence à courir. Et il fait signe aux 4 mecs qui restent avec lui, les 4 francs qui ont survécu, de le suivre. Vous allez donc pouvoir vous échapper... et continuer votre chemin. Tu vas donc pouvoir retrouver tes compagnons qui sont en train de se diriger vers les docks pour le coup. Vous qui êtes en train de constater vraiment cette situation complètement catastrophique où des gens s'entretuent dans la rue. Cette mélancolie générale a laissé place au chaos total et vous le ressentez maintenant. En particulier dans le quartier latin. Les gens ne sont pas dépressifs. Les gens sont juste complètement tarés. Et n'ont qu'une seule envie, c'est de s'entretuer les uns les autres. Et vous voyez même, quand vous êtes en train de vous promener, des familles en train de se battre. Des familles en train de se battre les uns les autres. Alors pas avec des armes, genre des CPE ou quoi que ce soit, mais à se mettre des coups de fourchette et autres. C'est une folie totale qui est en train d'arriver dans la ville. Les latins sont tarés. Hein. Oui. C'est la leçon de ce soir. Ça sera le titre de l'épisode. Les latins sont à... Non, je plaisante. Ils ont le sang chaud. Oui. Même les curés. Oui, t'imagines le curé en mode, avec la croix. Je vais te bénir. Avec sa Bible en train de frapper les gens. Alors, franchement, les recoins de Bible sur le crâne, ça peut faire très mal. Hein. On va pas se lancer d'hostie. Arme contondante. Hein, Comment ça, il est pas frais, mon cheval? Alors, Mihail, tu es en train de rejoindre les autres. Tu vois qu'en fait, ils étaient plus ou moins en train d'essayer d'attendre et de voir un petit peu comment ça se passait. Déjà dans un premier temps, avant de continuer leur chemin. Donc là, vous êtes vraiment, en gros, à genre 3-4 minutes de la villa.
dans un renfoncement de rue, pour le coup, à constater... Oui, on courait pas à toute berzingue, mais on non, a non. continué à s'éloigner. Quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, vous voir clairement sur les docks, les gens en train de se battre par-ci, par-là, etc., de piller tout ce qu'on trouve. Et surtout, bah, y en a beaucoup qui prennent leur bateau, qui essaient de se barrer aussi. Vous voyez des bateaux qui se barrent. Bah, faut pas. Ouais, c'est sympa ici. Mihail, du coup, tu rejoins les autres? Bah, vous allez voir Mihail revenir, couvert de sang, peut-être d'autres morceaux et autres de chair, et un Vassili sur l'épaule et Lucas à côté. Ça va, t'as retrouvé tes copains. Et j'ai été touchée où, t'avais dit? Vraiment au genou, pour le coup. Ah oui, c'est ça. Bah, il a l'air vaguement de boiter, mais comme la douleur, c'est pas de douleur en fait, c'est comme si il avait un peu de mal à marcher, mais il n'y a pas de douleur sur son visage. Il y a juste un morceau de muscle ouais, qui a été coupé. C'est ça, ouais. Mais vous êtes blessé? Ah bon? Non, ça va. Mais non, ça va. Est-ce que tu veux bien, Mihail? Il va avoir un petit temps de réflexion, comme pour reprendre ses esprits et... Ça peut aller. Est-ce que t'as besoin qu'on te trouve quelqu'un en chemin? Non. Là-dessus, je pense que j'ai bien assouvi ma soif sur leur route. Je vois. Du coup, je pense que nous devrions ne pas trop perdre de temps, c'est affreux ce qui se passe ici, et c'est dur d'arriver à faire bouger des gens, mais là il va falloir. Je pense que plus on reste sur place, plus on est des cibles faciles. Oui. En effet. Esclarmonde, savez-vous où est votre sœur? Si nous voulons la récupérer, nous devons faire vite. Apparemment, elle aurait une planque au niveau des docks. Et je pense que de toute façon, dans le chaos de la ville, elle sera certainement facilement repérable. Elle avait dit que nous devrions la retrouver facilement si nous la faisions demander sur place. En effet, nous allons passer devant. Si nous la voyons, nous lui proposons de venir avec nous. Sinon, nous traçons jusqu'à l'endroit que nous avons défini plutôt dans la soirée. Pendant que tout le monde parle, je peux scruter les coins sombres. Vraiment, ce type m'a réellement inquiété et je veux voir s'il nous a suivis, s'il est dans le coin vraiment. En fait, presque limite, j'écoute pas vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Vraiment, mon attention est partie tout le reste. Ouais. À fixer les zones très sombres pour essayer de voir s'il nous suit ou s'il est encore là ou s'il y a une trace de quelque chose. Je t'autorise à me faire un jet d'astuce vigilance si tu le souhaites. Ok. C'est vrai, ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en sortant de la villa, il y avait une personne bizarre qui nous regardait. Elle n'est plus là. Ah. C'est ça que vous fixiez tout à l'heure dans le vide sans rien dire? Ouais, enfin, pas exactement sans rien dire, mais c'était pas très compréhensible. Ouais, visiblement, c'était de l'italien. Et il nous a suivis, vous l'avez vu? J'étais concentré sur le fait de ne pas me prendre une flèche, donc je n'ai pas vraiment regardé. Du coup, je vais un peu grogner discrètement, et regarder autour de moi et regarder si quelqu'un nous suit aussi. Il n'y a personne. Non. Si cette personne était là, elle n'était pas là pour vous, clairement. Ok. Je pense qu'en voyant qu'il n'y a personne, tu sais, j'ai un petit sifflement entre les dents. Entre les dents, ouais. Et bah après, du coup, bah, je me retourne vers le reste de l'équipe, attendant. De toute façon, on va se diriger vers les docks pour essayer de retrouver Kalia. Vous n'êtes pas très très loin de l'endroit où elle vous avait plus ou moins dit qu'elle avait des ressources. Les docks, du coup, que vous voyez remplis, et surtout avec ces bateaux qui s'échappent peu à peu. Certains essayaient de remporter ce qu'ils ont,
d'essayer d'éviter de perdre des marchandises auprès des latins un petit peu fous. Et dans cette cohue générale, vous allez devoir progresser et essayer de trouver la sœur d'Esclarmonde, peut-être à votre tour réussir votre mission et mettre la main sur un Nosferatu qui pourra peut-être vous donner des informations à la fois sur Malakit et potentiellement sur le fragment que vous cherchez avec tant d'empressement.